L'ergothérapeute qui la suivait nous a proposé de la faire parler par le biais d'une synthèse vocale, parce qu'Anaïs est non-verbale. Donc on a fait des tests et il s'est avéré que la synthèse vocale la mieux adaptée à son handicap, qui lui permettait à la fois de faire des phrases, d'utiliser des verbes, c'était une synthèse vocale qui malheureusement coûtait 9 600 euros. Qu'elle n'est absolument pas remboursée par la CPAM ni par la mutuelle. On a obtenu l'enveloppe maximum de la MDPH, 3 960 euros, et l'enveloppe aussi maximum du fonds de compensation, 1 800 euros. Donc ça fait à peu près 5 760 euros. Il nous restait donc à charge 3 800 euros. Et on a pu financer ces 3 800 euros parce qu'on a créé une association pour Anaïs. On organise une fois par an des tombolas, on tient des buvettes lors de certaines manifestations et on récolte aussi des fonds auprès de nos proches. Malheureusement, l'enveloppe maximale de la MDPH est valable pour une période de 3 ans, donc ce qui veut dire que pendant encore 3 ans, on ne peut plus racheter de matériel. Il ne sera pas pris en charge par la MDPH. On a dû acheter aussi un fauteuil électrique parce que cette année, elle rentrait dans une école où il était nécessaire qu'elle se déplace de façon indépendante. Bien sûr, il y a eu un dépassement par rapport à la prise en charge de la CPAM et de la mutuelle qui a fallu aussi financer. Là, on est en train de faire l'acquisition d'un fauteuil manuel. On sait d'ores et déjà qu'on a 2000 euros de dépassement par rapport au prix du fauteuil. Et il y a du matériel qu'on n'a pas pu acquérir, comme un matériel qui va lui permettre de manger de façon autonome, qui s'appelle le Nitter-Eater. Et ce matériel-là coûte 2 400 euros. Il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, donc pas de prise en charge non plus par la mutuelle. Et comme on a atteint l'enveloppe maximale de la MDPH, on ne peut pas, la MDPH nous refuse de le prendre en charge. Donc il faut encore attendre 2 ans pour pouvoir l'obtenir. Le matériel technique coûte extrêmement cher, tout simplement parce que il y a, je trouve, un abus des fabricants. Une poussette pour Anaïs, ça coûte 10 fois plus cher qu'une poussette qu'on trouve dans le commerce. Et il n'y a pas seulement la poussette, par exemple, le siège auto, c'est exactement la même chose. Un siège auto classique, on va le payer 200 euros, celui d'Anaïs, il coûte 2 000 euros. Il faudrait que la sécurité sociale rembourse tout le matériel médical pour qu'on puisse systématiquement avoir l'aide également de la mutuelle. Et il faudrait aussi que la MDPH augmente son enveloppe d'aide technique en fonction du handicap de l'enfant. Plus l'enfant est lourdement handicapé, plus l'enveloppe devrait être plus importante.